C'était un jeudi, je ne savais pas quoi faire. Du coup, je me suis dit, je vais jouer à Tarkov. Du coup, j'ai lancé Tarkov. Bref, j'arrive sur le menu et j'attaque sur un scav dans l'idée de grappiller du matos et remplir mon stash. J'arrive sur Customs, je me balade, j'entends tirer, je m'invite aux festivités, je tire sur un gars, il a rien, il me tire dessus, je décède, ça pue la D5. J'ai changé de plan et je me suis préparé soigneusement. J'ai pris un Defender, un casque, enfin une cagoule parce que j'avais perdu tous mes casques. Je me suis équipé d'une AK, j'ai pris le temps de choisir mes balles, j'ai équipé les soins et j'ai lancé. J'avance vers l'inconnu et je croise un scav, je me dis, vas-y, défonce-le. J'avais oublié mes chargeurs, je l'ai pas allumé et j'ai mangé une tête. J'ai traîné quelques minutes le temps qu'un nouveau scav soit disponible, j'ai relancé. J'ai attendu de me connecter, pendant un temps, pendant très longtemps, et puis ça a planté. J'ai fait Alt F4, j'ai relancé Tarkov, ça a aussi pris du temps, je me suis reconnecté, j'ai rechargé la carte, j'ai enfin spawn sur le serveur, j'ai fait quelques mètres et je me suis fait défoncer. Du coup je me suis dit que ça passerait sûrement mieux à deux, alors j'ai invité un pote. Salut, c'est Mamo. Oui, c'est Mamo, parfois Mamen pour les intimes, ou Mamel pour le faire chier. Joueur de longue date, on s'est tapé des barres sur Battlefield, PUBG et d'autres perles du même genre. Globalement, il gère, donc j'ai confiance. Mais sur Tarkov, il débute, donc c'est pas tout à fait la même chanson. Du coup, on est parti sur Customs, remonté comme jamais, on a tué un gars, deux gars, trois gars. On a looté, on s'est barré, heureux comme des papes. Bien motivé, on s'est dit qu'on allait relancer et tenter plus gros sur Facto. Et tel des invincibles, on a renouvelé l'expérience de plus belle. Puis je suis parti pour looter, j'ai demandé une couverture. Puis il m'a répondu. C'était pas Mamo. Ce que je savais pas, c'est qu'il était parti pisser. J'ai pissé, je vois. Mais qu'en disant ça, il a mute son micro. Du coup, j'ai pas entendu. Ouais. Putain, je me sens plus léger. Moi aussi. Je décide de prendre une pause. Je me fume une clope. Je me fais un café. Je me refume une clope. Et je relance le jeu plus étendu que jamais, putain. Mon scap s'y reset. Je fais 10 pas. Décidément, le jeu m'aime pas. J'attaque en PMC, j'équipe mon SKSI en cieux favori. Je l'assure, je file sur Wood. Comme à mon habitude, je me balade, prêt à en découdre. Je loot un cadavre. J'arrive près de la Syrie, je vois un OVNI. On m'appelle l'OVNI. La Mamo qui écoutait en mode sourdine me dit. Allez, on en refait une petite. J'ai compris. Tu veux faire du stuff? J'ai pensé. Va chier putain, je lui ai répondu. Non merci. Je relance une partie solo, je prépare encore mon matos, mode vénère activé. Je me dis que ça peut pas être pire. Juste pendant début de partie, je quitte les lieux. Je file vers un plot, je fais 10 mètres, je me fais buter. Dans un ultime désespoir, je relance un raid. Là tout va mieux, le karma est avec moi, j'avance, et j'ai la foi. J'éclate tout ce qui arrive à proximité, et personne semble me résister. J'en vois un qui est planqué, je tente la grenade, elle rebondit. Je l'ai mal lancée, elle a explosé. C'était une F1. Bref, j'ai joué à Tarkov. We'll be right back.